On est tous là à avoir des technologies de plus en plus poussées, que ce soit sur nos ordinateurs, sur nos téléphones ou même dans nos voitures, tout évolue. Mais pourtant, il y a quelque chose qui n'a jamais vraiment évolué, bah, c'est comment on ouvre nos portes. Et c'est toujours avec des clés du style. Mais comment ça marche et surtout, est-ce que c'est si sécurisé que ça? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, bah, on va se rendre compte que juste avec ça, même avec l'image que vous avez en ce moment même, bah, vous pouvez complètement recopier cette clé et donc littéralement pouvoir déverrouiller la serrure de chez moi. Ouais, c'est un petit peu inquiétant. Parce que finalement, bah, comment ça fonctionne une clé? Comment ça se fait que cette clé bah, va pouvoir ouvrir une serrure et pas une autre? Parce qu'après tout, bah, y a rien de numérique là-dedans. Eh bien, il y a bien une identification, mais elle est complètement mécanique. En effet, je pense que vous avez déjà remarqué que bah, là-dessus, en fait, il y a des petites dents qui se trouvent sur les clés et à chaque fois, elles sont différentes. Et c'est grâce à tout ça que ça va fonctionner. Et en vrai, bah, ça se schématise assez simplement. On va voir comment ces dents bah, permettent finalement de déverrouiller cette serrure. Prenons donc le cas où on a une clé avec une seule dent. Par exemple, dans une serrure à plat, bah, on aurait juste du coup la serrure d'un côté qui serait du coup avec cette tronche là, bah dans la partie du bas, il n'y a rien qui nous empêche de la faire glisser par rapport à la partie du haut. Maintenant, dans la vraie vie, bah, y a ce qu'on appelle une goupille qui va nous empêcher de faire ça. Et donc, cette goupille, bah, elle serait représentée comme ça. On voit que la goupille, bah, elle est coupée en deux. Et donc, bah, ce qu'on faisait tout à l'heure de pouvoir le tourner tout simplement, on pourra plus le faire étant donné que là, la goupille va bloquer. Parce que tant qu'elle est à cette hauteur là, bah, on pourra absolument rien faire. Il va donc falloir le faire descendre à la bonne hauteur. Et donc, pour ça, et bah, c'est grâce à la dent de la clé. Et donc, la dent de notre clé bah, va permettre de faire descendre cette goupille pour que la coupure se trouve exactement à la même hauteur. Et donc derrière, hop, il y a un petit ressort, histoire qu'à chaque fois ça remonte quand il n'y a pas de clé, parce que sinon elle serait bloquée en bas et ce serait un petit peu pénible. On multiplie le schéma par le nombre de dents qu'on a sur notre clé et donc on a une serrure réelle. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la serrure, bah, vous vous rendez bien compte que le seul truc qu'il faut réussir à faire, c'est mettre toutes les goupilles en place, que ce soit donc avec la vraie clé, avec une fausse clé ou même avec des crochets. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, bah, c'est essayer de recopier cette clé, mais sans évidemment avoir accès à cette première clé, sinon ce serait bien trop simple. Non, là ce qu'on va faire, c'est essayer de partir d'une photo. Et surtout ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il est réellement possible de se faire copier ses clés sans qu'on s'en rende compte juste parce qu'elles sont posées sur une table. On va donc prendre l'exemple typique où on sera en train de travailler dehors sur notre ordinateur portable comme si nous étions au Starbucks par exemple, et vu que notre clé USB est sur notre trousseau de clés, bon, on l'a forcément sortie à la vue de tous. Rien que ça va suffire pour se faire voler notre clé par un mec qui va réussir à prendre une photo depuis l'étage dans le McDonald's dans lequel vous êtes. Alors oui, ça paraît ubuesque comme situation, pourtant le fait de voler des clés grâce à une photo, il est déjà arrivé des cas extrêmement graves de vol de clés comme ça. Par exemple pour les passe-partout de bagages d'aéroport. Et comment c'est arrivé? Eh bien car le Washington Post a pris des photos en gros plan des clés pour son article, qui dit à quel point d'ailleurs tout ça est giga sécurisé et que vos affaires sont entre de bonnes mains. Vraiment, c'est giga débile. Et ils ont dû enlever les photos en urgence. Problème, internet n'oublie jamais et aujourd'hui on peut retrouver très facilement les plans d'impression 3D de ces petites clés pour déverrouiller n'importe quel bagage. Ça fait extrêmement peur. Alors certes, le système a donc dû évoluer depuis, mais c'est certain qu'avec ça, il y a moyen d'encore faire des ravages de nos jours. Et là, ok, dans notre cas, je suis quand même assez visible. Faut un état. Il y a pas mal de conditions à réunir pour voler cette image, mais en soi, si vous avez un drone avec une très bonne qualité de caméra et qui peut zoomer comme un malade, bah si les dents sont visibles depuis le ciel, c'est clairement pas impossible. Bon, on a quand même trouvé une autre solution pour récupérer les clés avec le drone que j'ai. C'est un peu moins discret, certes, mais beaucoup plus radical. Une fois en possession de notre précieuse photo, on va pouvoir passer à la modélisation. On va utiliser la photo comme fond afin de tracer notre schéma par-dessus, mais pour faire ça, il va forcément nous falloir une dimension de référence. Bah oui, car sans ça, impossible de savoir si la clé fait cette taille ou cette taille, on ne connaît juste pas l'échelle. Plusieurs options s'offrent à nous, on peut par exemple se servir de l'anneau sur lequel se trouvent les clés en partant du principe qu'ils font en général tous à peu près la même taille, mais le problème c'est que bah déjà c'est à peu près et en plus il faut qu'il soit bien visible sur la photo pour qu'on puisse s'en servir. Une autre solution va être de trouver une clé similaire afin d'en prendre les dimensions, c'est la seule solution que j'ai choisie ici car vous allez le voir, elle va nous sauver la vie un peu plus tard. On peut par exemple retrouver cette clé à partir de la marque de la serrure ou du cadenas. Une fois cette clé en main, on va pouvoir mesurer précisément le diamètre de sa tête pour pouvoir passer à la modélisation. On va donc tranquillement repasser par-dessus les contours de la clé en faisant particulièrement attention au niveau des dents. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donner de l'épaisseur à notre clé. Là aussi, avoir une clé de référence va nous aider à tomber juste. Sans ça, on peut toujours prendre cette mesure au niveau de la serrure ou bien y aller un peu au pif, en sachant que beaucoup de clés ont à peu près la même
même épaisseur. Enfin, il ne nous reste plus qu'à faire les rainures sur les deux faces de notre clé, et donc là, bah, notre clé de référence va beaucoup nous aider. On va mesurer en gros le début et la fin de chaque rainure pour ensuite tracer une courbe un peu au pif. Ensuite, à l'œil, en regardant à côté notre clé de référence et de l'autre notre schéma, on va pouvoir ajuster un peu ces courbes pour leur donner plus ou moins la bonne forme. Je suis sûr que le profil de ces rainures est bien défini quelque part, mais c'est pas très important dans notre cas. Vaut mieux juste être un poil large et ça ira. Ces rainures vont définir si oui ou non notre clé rentrera dans la serrure. Même si toutes nos dents sont parfaites, si les rainures sont mal placées, ben on devra recommencer. Une fois que tout ça est terminé, on exporte et on envoie ça sur l'imprimante. Ici, on va utiliser une Anycubic Viper qui nous a été fournie par Geekbuying. D'ailleurs, si elle vous intéresse, vous la retrouvez en description avec un petit code promo. Mais je vous laisse profiter de l'impression quelques secondes. Et voici la copie en plastique de notre clé de cadenas. Alors, il y en a deux en même temps, déjà parce que finalement imprimer c'est pas très long, et surtout ça permet d'avoir deux essais à chaque fois qu'on va imprimer ces clés là. On va donc pouvoir les récupérer pour pouvoir tester ça tout de suite. Hop, là il y en a une, on va juste un chouïa à la nettoyer, mais hop, et la deuxième. Voilà un peu la gueule qu'ont nos clés finalement. Alors ouais, il faut juste enlever quelques petits trucs parce que ça ne sert pas du tout, c'était vraiment juste pour l'impression. Mais normalement, ça devrait faire le taf. On va comparer ça à notre clé de base et finalement, bah, on voit que ça ressemble pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est est-ce que cette clé arrive à rentrer aussi dans ce même cadenas? Bon, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça va rentrer dans le cadenas? Bon, ce serait quand même bien que je la mette dans le bon sens quand même. Ça passe, ça galère un peu parce que comme je l'ai dit, il faut un peu nettoyer le plastique. Mais là, bah, on a notre clé imprimée en 3D qui rentre dans le cadenas derrière. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'elle arrive à tourner ce fameux cadenas? Parce que vous avez déjà pu rentrer des clés dans certaines portes et finalement, bah, ça tournait pas derrière. Maintenant, c'est la deuxième chose qu'il faut se poser. Alors, le moment de vérité, est-ce que je pourrais la tourner? Alors, comme vous voyez, ça commence un peu à péter en dessous parce qu'effectivement, vu que c'est du plastique... Ah, ça a commencé à tourner, donc ça veut dire que toutes les goupilles étaient bonnes, mais bon, bah, comme vous le savez, le plastique, c'est quand même un peu moins résistant que le métal. Bah, donc, il va falloir qu'on mette un petit truc en métal qui va nous aider à renforcer tout ça et finalement juste à aider à faire tourner la clé, parce que bah, tout le reste fonctionne. Bon, heureusement, on avait imprimé une deuxième clé. On va pouvoir donc la remettre pour faire un deuxième essai, mais cette fois-ci, on va utiliser un tenseur. À la base, c'est utilisé pour crocheter des serrures. Et là, ça va nous permettre de vraiment avoir un appui supplémentaire et donc, bah, finalement, la fragilité qu'on a avec le plastique va pouvoir être un peu soutenu grâce à ça. On va le rentrer juste là. Bon là, vous n'allez pas voir grand-chose parce que je vais vraiment le tenir à la base pour pouvoir aider. Mais hop, je vais tourner ça avec le tenseur et normalement, paf, voilà. Vous avez le cadenas qui s'est ouvert avec une clé qui a été imprimée en 3D à partir d'une simple photo. Paf, je pourrais ressortir la clé et regardez-moi ça, hein, la clé est toujours toute fonctionnelle. Hein, bon. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus fragile. Hein. On voit d'ailleurs que là, c'est déjà un peu pété. Mais concrètement, le cadenas est tout aussi ouvert et on pourrait faire ça avec une vraie porte, avec n'importe quel cadenas finalement. Mais donc voilà, comme vous avez vu, bah, cette clé fonctionne tout aussi bien que cette clé, même si effectivement, elle est beaucoup plus fragile celle-là. Mais donc, c'est un peu terrifiant. Donc, bah, ce qu'il faut retenir là-dedans, ne laissez jamais des photos de vos clés sur Instagram parce que littéralement, n'importe qui pourrait les copier et qui peut un peu modéliser tout ça et qui est une imprimante 3D, bah, pourrait se retrouver à avoir les clés de chez vous sans vous avoir volé les clés de chez vous, ce qui serait assez cocasse parce que vous ne le sauriez même pas. Si la vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, vous pouvez laisser le pouce bleu de l'amour juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui partagent une photo comme quoi ils sont devenus propriétaires là, avec les clés comme ça dans la main. Parce que finalement, quand ils font ça, c'est pas eux qui le sont, mais c'est tout Twitter qui sont propriétaires de leur baraque. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !